Hey, feeling fresh, summer recess. Got shorty wearing a cocktail dress. Yeah, she got style and excess. Ain't nobody match her too fast. Call a homie, maybe two. I'm finna link up and go and get a brew. Cause we ain't got school no more. We ain't got school no more. Got no obligations, so we taking a jet. Find PJs cause I'm in my sweat. Trippin' to another country, I can't even pronounce. I'm paying much more than I'm allowed. What I'm about, I put a stamp in my passport. Once I have one man, I'ma need to get more. Yeah, I collect them all. I won't stop till I get them all. Capture memories, what happens, what was meant to be. Say that thing on my phone. Say that one thing on my phone. Capture the memories, what happens, what was meant to be. Say that thing on my phone. Say that one thing on my phone. They one of the finest, just touch down in another climate. Nevertheless, no terrain where ride with the boys, cause we got less. No terrain where ride with the boys, cause we got license. So we rent cars and tore the town. Pedal to. Bon, salut les gars! Hop! Salut les gars! Deuxième direct de la chaîne. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le premier direct, bon, c'était, on va dire, un petit test que j'avais fait il y a à peu près 2 semaines. Donc, déjà, première chose, c'est est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique est pas trop forte? Pour voir si tout va bien au niveau des réglages, des petits check-up et tout ça. Salut, salut à tous. Jérém Rob, je vous rappelle un petit peu les premières questions que je vous pose, les gars, savoir si vous me voyez bien, si tout est nickel. Ouais, nickel. Bon, c'est cool. Alors, on peut commencer. Donc, vous avez vu le débat. Le débat, aujourd'hui, c'est silure nuisible ou pas. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup, beaucoup. On ne connaît pas vraiment tous les tenants, les aboutissants, justement, de ce débat, en fait. Parce que c'est vrai qu'il faudrait des recherches scientifiques assez poussées sur de nombreuses années pour pouvoir prétendre et dire « Ouais, on sait, le silure, c'est un nuisible. Ouais, on sait, le silure, c'est pas un nuisible. Il va s'acclimater. » Donc voilà, maintenant, ça fait 40 ans qu'il est dans nos eaux, donc on a un petit peu de recul, mais il n'y a pas vraiment d'études sérieuses qui ont été faites. Alors, 86, H-Fishing, tu dis vive les moustachus, je suis d'accord avec toi aussi. Après, moi, je n'ai pas de point de vue prédéfini sur cette question, dans le sens où, encore une fois, le silure, c'est sûrement un poisson qui a été introduit par l'être humain dans nos eaux. Donc forcément, vu que ce n'est pas une espèce endémique de nos fleuves, bah, y a moyen que ça dérègle un petit peu et que ça empiète un petit peu sur la vie des autres espèces endémiques, en fait. Mais aujourd'hui, avoir le recul et se dire est-ce qu'il va être se réguler, parce que le cendre, il faut savoir que dans les années 70 à peu près, le cendre est arrivé en France, il y a eu une explosion des cendres, les gens en prenaient énormément, forcément c'est vrai que ça avait pris un petit peu le pas sur le brochet, les perches, qui elles sont les espèces endémiques de nos régions, et donc, enfin de notre pays, et donc... Ah, la musique est trop forte. Je viens de la baisser, normalement ça devrait gérer. Dites-moi encore si c'est pas trop fort. Il s'autorégule, on croirait pas, mais vraiment il s'autorégule. Bon, je veux bien y croire, moi personnellement, je suis pêcheur de silure, j'adore ce poisson, j'ai beaucoup de respect pour ce poisson. Et j'aimerais pouvoir prétendre et dire, ouais, il n'y a pas de souci, c'est clair, c'est un poisson qui s'autorégule. J'ai aucune preuve, c'est vrai qu'on voit quand on sort les silures qu'il y a beaucoup de balafres sur les silures, de morsures, d'autres silures. Et vu qu'ils fréquentent les mêmes zones, les petits et les gros, du coup on se doute qu'il y a forcément énormément de cannibalisme en fait sur cette espèce. Mais aujourd'hui, avoir un recul et de se dire « Ok, ça crée pas un déséquilibre », c'est quand même assez compliqué et donc on n'en a pas forcément les preuves. Alors j'ai un petit exemple à vous donner par rapport à ça, c'est un reportage que j'ai vu sur le parc Yellowstone. Pour ceux qui connaissent, c'est aux États-Unis, c'est un très grand parc naturel où la nature est vraiment livrée à elle-même et les êtres humains n'ont même pas le droit d'y pénétrer, si ce n'est les quelques gardes qui ont le droit d'y pénétrer en fait. Et dans ce parc, donc le parc du Yellowstone, il y a eu une enquête parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'orignales. Je crois que c'était des orignales ou, enfin bref, une bête à cornes, quoi, vous avez vu le délire. Et donc, et tout le monde a crié au loup, parce qu'ils avaient réintroduit le loup, justement, dans le parc du Yellowstone. Et tout le monde a dit, c'est à cause du loup. Et donc, c'est un peu comme aujourd'hui les personnes qui disent, ouais, c'est à cause du silure.
Tu vois, c'est la première raison qu'on te donne, ok, tu réfléchis assez court, tu vois, tu réfléchis pas trop en fait, et tu dis, ok, c'est la cause de l'homme pour le silure, enfin, c'est la cause du silure, pardon, pour le dérèglement de nos rivières. Et pour le Yellowstone, ils disaient, c'est le loup. Et en fait, il y a eu une enquête au Yellowstone pendant 2 ans. Elle a duré longtemps, cette enquête, hein. Ils ont vraiment étudié le parc pendant deux années complètes. Et donc, ce qui en est revenu à l'arrivée, en fait, c'est que tout simplement... Il y avait des truites, des grosses truites, mangeuses, de petites truites, qui avaient été introduites dans le grand lac du Yellowstone. Et ces grosses truites, quand toutes les truites qui venaient se reproduire dans le lac et remontaient les rivières pour revenir dans le lac se reproduire, se faisaient bouffer. Ce qui fait que de millions de spécimens qui remontaient pour se reproduire, on est revenu à quelques milliers. Donc les ours sortis d'hibernation, c'était leur source d'alimentation principale. Et donc, quand ils venaient pour manger les truites, il n'y en avait plus qui remontaient les courants parce qu'elles avaient toutes été bouffées. Et donc, du coup, ils venaient bouffer les premières portées d'orignal. Alors, je ne me rappelle plus si c'est d'orignal ou autre chose, mais voilà. Et donc, du coup, en définitive, les hommes criaient « Bon, c'est le loup qui est coupable. » Et au final, c'était pas le loup, hein, tout simplement, c'était l'être humain qui avait introduit ces truites, donc énormes, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces truites, qui mangeaient les truites endémiques de la région et du parc du Yellowstone, et donc voilà. Donc c'est un exemple qui est assez parlant, parce que je pense que c'est exactement la même chose pour le silure. Mon pote Castar, si vous allez voir sa dernière vidéo, et je vous le conseille, alors peut-être après le live, ça serait mieux, et vous vous rendrez compte que lui aussi a fait justement un débat là-dessus, et c'est ce qui a soulevé la question pour moi aujourd'hui, de me dire, est-ce que je fais un débat là-dessus? Puis je me suis dit, bah ouais, parce que c'est vrai qu'il y a matière à parler. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, par rapport à l'exemple que je vous donnais du Yellowstone, eh bien, la raison principale, c'est que bah, la source première du problème, c'est l'homme. Pour ceux qui avaient vu l'une des vidéos que j'avais fait, je crois que c'était le monstre du camping ou un truc comme ça, quoi. Et donc, en fait, à un moment, je relâche un silure et je dis, mais en fait, moi, je ne vais pas tuer ce silure. Ce silure, il m'a rien fait, personnellement. Et en plus, c'est pas à moi, plus être humain, plus gros nuisible de la planète. Non, mais franchement, faut l'admettre, les gars. Plus gros nuisible de la planète. De dire, ok, toi t'es un nuisible. Non mais attends, si je tue des nuisibles, je me bute moi-même, quoi. Enfin, franchement, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, mais c'est ce que je pense encore. Donc voilà. Alors, je vais lire un peu les commentaires. De par mon entier, j'ai plusieurs fois... j'ai fait grandir des silures albinos et mandarins, reçu... Ah merde, et remis à l'état sauvage. Bon, j'ai pas pu lire en entier le message. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu, en tout cas vous, vos points de vue. Est-ce que vous êtes... Plus ou moins, vous pensez, même, c'est même pas pour ou contre... C'est est-ce que vous pensez que le silure est un nuisible et pourquoi est-ce que vous pensez que c'en est un? Ou est-ce que le silure d'après vous c'est pas un nuisible et pourquoi est-ce que vous pensez que ça n'en est pas un? Voilà, si vous pouvez justement commenter un petit peu ça les gars, comme ça on va... Bref, dans mes bassins de 10 mètres cubes, ils n'ont jamais vidé mes bassins de tous les autres occupants. Ça c'est pas mal. Donc salut mec, celui qui vient de nous rejoindre et qui me dit salut, j'ai pas eu le temps de voir le nom. Bon bah les gars, je dois déjà vous quitter, j'ai entraînement, le silure pour moi c'est pas nuisible, il est à sa place dans nos eaux et on ne veut pas se priver d'un poisson de sport comme ça. Alors voilà, mais c'est là qu'est tout le débat justement, c'est que il y a beaucoup de gens qui défendent le silure parce que ils aiment le poisson, comme moi je l'aime ce poisson et je le respecte, et aussi parce qu'ils le pêchent, et d'autres aussi parce qu'ils gagnent de l'argent avec ce poisson, parce que il y a des guides de pêche, énormément de personnes qui gagnent leur vie justement sur la pêche du silure. Excusez-moi. Et donc, il ne faut pas confondre, voilà, le silure n'est pas un nuisible parce que j'aime bien le pêcher, avec le silure n'est pas un nuisible parce que vraiment, j'ai fait, pour moi, c'est pas un nuisible. Bon, ben, bonsoir, les silures est dangereux pour les autres poissons car il est grand et a un petit vorace. Bon, certes, c'est un grand poisson. Non, t'arrives pas trop tard, Cyril Bisson vient juste de commencer. Certes, c'est un grand poisson. Alors, moi, je crois que c'est Jean-Claude Tanzil, la référence en la matière du silure. Un mec qui pêche le silure depuis 30, 40 ans. Je pense que c'est la personne, le pêcheur français, qui a le plus de recul sur cette espèce. Et qui a aussi le plus d'intérêt à protéger le silure, parce que c'est son gagne-pain, on est d'accord. Mais vu le personnage, je pense que c'est un mec qui a un point de vue objectif et qui aurait pas peur de crier au loup, justement, pour revenir à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Et le mec, donc, il a fait des prélèvements stomacaux sur différentes silures, différentes saisons et autres. Et en fait, il a réussi, par rapport à ça, à définir à peu près le régime alimentaire qu'il avait. Et en gros, un silure, ça consomme, je crois, 20 fois moins qu'un cormoran. Alors un cormoran, c'est tout petit, je crois que ça doit faire au maximum 10 kg, mais vraiment un gros cormoran, ça fait 10 kg, ça mange 20 fois plus qu'un silure.
Ça, en fait, c'est au niveau de la rapidité de la digestion. C'est-à-dire qu'un cormoran, ça mange, et puis ça... En gros, ça chie, quoi, direct, en fait, tu vois. Sauf que le silure, lui, il va manger une proie, genre 1 kilo, il est calé pour une semaine, tu vois. Donc, nuisible ou pas, ce qui pourrait le rendre nuisible aujourd'hui, c'est pas tout à fait... Bah, chassons plutôt les cormorans, je suis assez d'accord avec ça. Ce qui rend le silure nuisible aujourd'hui, c'est plutôt sa quantité. C'est-à-dire qu'on est sur, si on fait une courbe en fait, sur l'évolution d'une espèce, que ce soit le cendre dans les années 70 ou aujourd'hui le silure, c'est une courbe qui monte. Ça monte, ça atteint un plafond, où là forcément ça empiète sur les autres espèces. Et après ça se régule, et là ça redescend. Donc le silure est gros certes, mais il mange à peu près 10 ou 20 fois moins qu'un cormoran. Ce qui, voilà, et donc encore une fois, c'est la quantité de silure dans nos eaux qui, oui, certes, ça peut devenir nuisible. Mais laissons-lui le temps de se réguler. J'ai pas un poisson pour nos eaux, j'ai un cormoran, lui, oh là là, putain, j'ai pas le temps de dire. Pour moi, le survenir, pas un poisson pour nos eaux, mais le cormoran, lui, il faut le tuer. Ouais, bah, moi je suis complètement d'accord avec les cormorans. Le problème, c'est que le cormoran, c'est pareil, il y a certains endroits où c'est protégé. Et moi, je connais des spots que je connais depuis des dizaines d'années où sur 500 mètres de berge, tu viens, les arbres, ils sont tout blancs, comme s'il avait neigé. Et en fait, c'est le spot des cormorans. Toute la journée, ils mangent. Et en gros, comment on dit ça sans dire de gros mots, putain. en gros, ils chient quoi, sur les branches de l'arbre. Et en fait, ça devient tout blanc. C'est du glaneau, je crois qu'on dit, ou un truc comme ça. Et en gros, ils font que ça toute la journée. Ils plongent, ils chassent, ils chient, ils plongent, ils chassent, ils chient. Et quand t'as une colonie de 500, ben là, ouais, franchement, faut les éliminer. Donc voilà, de la fiente, exactement, de la fiente. Un très bon engrais d'ailleurs pour les plantes. Voilà, la fiente de pigeon, on dit, la fiente, ben là, c'est pareil. Alors, c'est vrai polémique le silure. Oui, c'est une vraie polémique. Défection, lol, exactement. Ah oh, putain, merci les gars, vous me donnez les adjectifs, les trucs, les verbes, tout pour que je trouve mes... enfin voilà, tu vois, encore un mot qu'il faut que vous trouviez à ma place. C'est les petits spécimens qui sont voraces. Ouais. Il se régule. Mon silure 120 cm s'était fait bouffer par un plus de 2 mètres. Ouais, ça arrive, c'est clair, tomate et jus. On est là pour t'aider, merci les gars, putain, c'est clair, je perds mes mots, c'est dur. Hey, franchement, c'est pas évident les lives, hein. Si vous essayez un jour, vous vous rendrez compte qu'en fait, tu parles, tu réfléchis à ce que tu vas dire, et en même temps, tu lis des questions. Ça, c'est pour toutes les nanas qui nous disent, ouais, vous savez pas faire deux trucs en même temps, vous, tiens, tu vas voir si on sait pas faire deux trucs en même temps, la preuve. Quel est le prédateur du silure? Je vais te dire une petite réponse, Julien Signoret et Castard, non, je rigole, c'est prétentieux. Vous tous, nous tous, on est des prédateurs du silure. Et c'est vrai que quelque part, en pêchant le silure, tu vois, moi qui adore la nature, je me dis, putain, quand même, tu casses les couilles, il y a des poissons, quoi, toute la journée, c'est quand même pas cool, tu vois. Mais ça leur rappelle aussi que, hé, t'es pas au sommet de la chaîne alimentaire, mec. Il y a un mec au-dessus de toi, il te rappelle que tu l'es pas, il te relâche pour que tu comprennes, tu vois. Et je pense que, voilà, quelque part, on fait la morale aux poissons. Bon, je fais mon live à l'heure de manger, hein. J'ai pu voir les dégâts d'un cormoran sur une rivière à truite et à un an, mes prises se sont vues divisées par deux. Mais c'est clair, c'est clair. En plus, je vais te dire, un silure, c'est assez gros et c'est très, 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 très feignant et opportuniste. Un poisson comme une truite, pour qu'elle se fasse bouffer par un silure, il faut qu'elle soit blessée. Et là, c'est de la sélection naturelle et donc le silure a toute sa place. Par contre, le cormoran, lui, il va rentrer dans les creux de berge. Il va aller n'importe où avec son long bec pour venir pigner des poissons. Moi, j'ai vu des cartes de 10 kilos, avec des impacts de bec sur le dos, sur la zone dont je vous parlais juste avant. Donc le cormoran, ouais, c'est un sacré nuisible. Merguez Antonio, par contre, j'ai beaucoup à dire. Alors, dis-nous, par contre... Alors, ça fait 100 ans qu'on est en Alsace. Qu'on en a en Alsace, putain, je savais pas ça. Nous sommes des faux prédateurs. Non, on est pas des prédateurs. En vrai, on est des putains de nuisibles. Et la prédation qu'on fait, c'est de faire de l'élevage en batterie de vaches, enfin de bœufs, de moutons, de machins, de leur faire bouffer de la merde, de leur faire faire une vie de merde, et de les tuer indignement et de les bouffer derrière. Voilà les prédateurs qu'on est. Pour moi, les gars, qu'on soit clair, c'est extrémiste. Mais l'homme est le cancer de la planète. Que ce soit clair, quoi. Donc voilà, c'est en dehors du débat. Et en même temps, dans le débat, parce que si on veut parler prédateur, mais quoi de plus prédateur, enfin de nuisible, pardon, quoi de plus nuisible que l'être humain sur Terre? Franchement, alors,
quoi qu'on fasse, quand bien même t'es écolo, il va quand même falloir que t'achètes une bagnole pour aller à ta réunion d'écolo. Et ta bagnole, ben, c'est de la matière première qui a été prise sur la planète et qui fout la merde, qui fait du carbone et du machin et qui fout la merde. Donc on est des putains de nuisibles. Le silure, c'est un poisson comme les autres, certes. Ouais, l'humain, oui, c'est la faucheuse du monde. Ben, exactement, Nergestonio. Eh, mais c'est un débat. En fait, on pourrait faire un autre débat, c'est la place de l'humain sur Terre. Il y a des gens qui veulent pas l'entendre, en fait. C'est des gens, ils avancent avec des œillères, tu vois. Ils se disent, non, je veux pas voir ça, c'est trop négatif, je veux voir ma direction à moi, juste mon truc à moi. Mais c'est des gens qui vivent dans l'ignorance, en fait. On pourrait parler des gobies en mer, du coup, j'imagine. Ou des perches-soleil. Alors, si on veut parler de nuisibles, les gars, et la grosse discussion tout à l'heure, c'était de dire le silure, aujourd'hui, beaucoup ne le considèrent pas comme nuisible parce que maintenant, c'est devenu une pêche qui est vraiment prisée par tout le monde et les gens adorent pêcher le silure. Et donc, on parle de perche-soleil. Tu prends une perche-soleil, la même espèce à peu près, avec la même habitude alimentaire, les mêmes caractéristiques alimentaires en fait, hein, et de prédation, bah tu prends, c'est le black bass, mec. C'est le black bass. Et le black bass, il n'y a pas plus nuisible qu'un black bass. C'est une perche soleil en plus gros, tu vois, et en plus grande quantité en plus, tu vois. Et ça défonce tout. Seulement le black bass, on aime le pêcher, du coup c'est protégé. Et qui c'est qui fait qu'on classe en nuisible ou non un poisson, à l'arrivée, c'est quand même les préfectures de pêche. Et les préfectures de pêche, ils gagnent de l'argent comment? Avec nos permis de pêche, les gars. Et donc, si on interdit la pêche du black bass, ou que le black bass devient nuisible, il y a toute une partie de pêcheurs qui ne prend plus son permis, donc la préfecture perd de l'argent. Donc forcément, c'est comme le monde. C'est la monnaie qui dirige tout. Et ça fait faire des mauvais choix. Et ces choix, on les retrouve dans nos rivières, et puis bah, ouais, au niveau du monde, on les retrouve dans la rue, et dans ce que je disais. Pas l'ignorance, mais la politique de l'autruche. Exactement, tu vois. C'est ce que je disais. Politique de l'autruche, c'est pareil que mettre des œillères. C'est la même chose. Soit tu mets la tête dans le trou, soit tu mets des œillères. Tu regardes pas la vérité. Tu regardes juste ta version à toi. Arrivé, il y a... Gobie d'eau douce. Je connais même pas ça, mec. Qui tapisse le fond, tu dis. Je connais même pas. Je sais même pas ce que c'est. Le cendre... Alors, t'es le plus gottement. Alors, je comprends pas. Gourmand. Le cendre était plus gourmand. Ça, je sais pas du tout, franchement. Mais c'est sûr que le cendre, après, je pense que ça se passe au niveau de la rapidité de la digestion du poisson, en fait, tu vois. C'est pas forcément la taille du poisson, la gueule du poisson, ce qui fait peur ou pas peur, est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas. Mais voilà, c'est... Salut Fredo64. C'est la rapidité avec laquelle il a digéré et la dépense énergétique qu'il a. Salut à tous ceux qui me rejoignent, parce que vous êtes nombreux à me faire salut, coucou. Donc, salut à tous les gars, merci de me rejoindre sur ce deuxième live de ma life. Hein, putain. Et tu sais quoi, chaque fois que je fais un live, je me jette dans le bain. Tu sais quoi, c'est comme si t'as le vertige et que tu vois une falaise, genre t'as 7 mètres et en dessous t'as de la flotte. T'as la tête qui tourne, mais tu forces un petit peu, tu vois, pour y aller. Bah, c'est un peu ça pour moi, mais une fois que j'y suis, ça va. Ça a l'air de pas mal tourner, j'ai la tchatch, tout va bien. Oui, le Rhin et tous ses affluents sont remplis de cette merde de gobies qui bouffe tous les œufs de reproduction. Oh putain, mais alors on est dans la merde parce que ça va arriver chez nous aussi. Et en plus, si c'est des petits poissons, on est dans la merde. Pas nuisible, autorégule et trop beau à pêcher. Oh, putain, Yann Bedos, t'as fait très peu de mots pour que je comprenne, mais c'est bien, j'ai compris. Ouais, ça s'autorégule, je sais pas encore quand même. Quand on voit les quantités qu'on en prend, franchement... Je vous donne un petit spoil en fait. Hier avec Castar, on est en octobre hein, quand même. Hein. On est allé faire une session, je crois qu'on fait 14 silures. Honnêtement, sous chaque zone track shadow qu'on a, c'est-à-dire à peu près tous les 15 mètres, on fait monter un silure. Il y en a deux partout quand même. Hein. C'est un truc de fou comment c'est rempli. Hey, salut Julien, Johan, pêche, salut mec. C'est à Kata les gobies, putain, mais je connaissais pas ce truc-là. Moi, je connais les gobies en mer, ouais. Les gobies, voilà, tu vois, mais je savais pas, putain, dans le Rhin, en Alsace. Après, souvent, il y a plein de petites espèces de petits poissons comme ça. Comme le poisson-chat, fut un temps ici, en fait, qui foutent un peu le bordel dans nos eaux, mais rapidement, en fait, les prédateurs un peu plus importants, comme le brochet, le black bass, et puis le silure aussi, justement, le défonce, et donc, du coup, ils disparaissent. Alors, le gobie dans le Rhin, j'imagine, il y a quand même pas mal de brochets, il doit y avoir quelques silures aussi. Peut-être que c'est l'ascension de ce nuisible, et que, puis, ça va retomber un petit peu après.
Ah, ben la chance, c'est que les perches en raffolent, voilà, c'est ça. Dans les années 70, c'était pas vraiment l'essor de la pêche du silure, mais on voyait qu'il en prenait 20 par sortie. Ouais, voilà, déjà dans les années 70, putain. Alors, faut savoir que là, nous, on est, moi, je vous parle, je suis sur Montpellier, et sur Montpellier, on a certains fleuves aux alentours, dans la région Languedoc-Roussillon, en tout cas, sur lesquels le silure y est depuis très très longtemps, quoi, déjà. Après, j'ai entendu dire aussi que le silure, et j'ai vu des archives sur Google, vous pouvez chercher, au Moyen-Âge, il y avait déjà du silure, je crois qu'il avait introduit, parce qu'à la base, ça vient des pays de l'Est, du Danube, ils avaient introduit le silure dans les eaux françaises, justement, pour les gens qui crevaient de faim, en fait, qu'ils puissent pêcher, prendre quand même des poissons assez conséquents pour se nourrir. Et donc, apparemment, il y a des preuves là-dessus qui sont... c'est avéré, quoi. Le silure a déjà été introduit en France, il s'est apparemment régulé, il a même disparu de nos eaux, je ne sais pas par quel miracle, et aujourd'hui, il revient, quoi. T'es déjà allé sur l'Aveyron ? Alors, l'Aveyron, oui, dans l'Aveyron, j'ai pas mal pêché, ouais. Est-ce que les gros silures se bouffent entre eux ? C'est juste des attaques. Ouais, ils se bouffent entre eux. Ils bouffent aussi des grosses carpes aussi. Et ils crèvent souvent en bouffant des trop gros silures. Le silure, c'est vraiment, comme on dit, un poisson qui a les yeux plus gros que le ventre. C'est pas rare de trouver des silures morts avec d'autres gros silures dans la gueule. Moi-même, sur Montpellier, je suis tombé sur un silure avec une carpe, un silure qui devait faire 1m90 à peu près, avec une carpe qui devait faire 7-8 kg dans la gueule. Les deux morts, quoi. Il s'est étouffé avec et en fait, les deux sont morts pour rien, quoi. Ça, c'est bien dommage. Donc, ouais, le silure, il a vraiment les yeux plus gros que le ventre. J'insiste là-dessus, c'est que le silure, c'est un poisson qui est opportuniste. Si un poisson a une opportunité de manger un autre poisson, c'est soit qu'il se tape un poisson curieux, comme le black bass qui viendrait voir un barbillon qui bouge à peine sur un silure vraiment tapis dans l'ombre, tu vois, qui bouge pas. Le barbillon bouge un peu, le black bass capte la vibration, il vient voir, bah, il ouvre la bouche, c'est fini. Tu vois, ça, ou un poisson vraiment blessé, tu vois, où vraiment il a le temps de venir le voir et bah, de l'absorber, tu vois. Donc en fait, il œuvre pour justement le règlement un petit peu de tous ces biotopes et de toutes ces espèces, en fait. Hein. Donc voilà. Continuez à me poser des questions, les gars. Maintenant, je vais arrêter mon monologue et je vais répondre à vos questions, les gars, parce que depuis tout à l'heure, je cherche comme un malade. Je perche pas folle silure et à la brème, aux carpes, en effet. Ouais. Putain, si tu pêches le silure à la carpe, quand même, moi, ça me fait mal au cœur. Car l'aquaculture des carpes était très importante au Moyen-Âge. Exact, le silure est une grosse feignasse comme tous les prédateurs. Ouais, mais plus gros encore que n'importe quel prédateur, c'est le silure. Ah putain, Merguez Tonio, tu te casses déjà, c'est dommage quand même. Hein, parce que là, c'est que le début, mec. Hein. Et en même temps, c'est l'heure de manger. Hein. Alors, il y en a peut-être, s'il y en a qui regardent ce live en train de manger et peut-être avec la famille et puis sa femme, ben, faites-moi signe les gars, putain, si vous me regardez en famille, c'est un truc de ouf quand même. Alors, c'en est où avec tes leurres et tes partenaires? C'est en cours les gars, c'est en cours. Franchement, je dis pas ça pour faire de la promo. Il y a un leurre qui va arriver l'année prochaine, qui sort de là. Mais vraiment, c'est inédit de ouf. Vous n'avez jamais vu ça. Personne n'a jamais vu ça. Ça ressemble à aucun leurre. Ça ne fonctionne comme aucun leurre que vous connaissez. C'est spécial Track Shadow. Et ça va être un carton de folie. Alors, quand je dis un carton, ce n'est pas au niveau des ventes. Ça va être un carton au niveau de ce que ça va permettre au niveau de la pêche. Garantie, ça va être un carton. Alors, en train de manger, ça c'est toi. Ouais, bon appétit, mon pote. Perso, on t'écoute avec ma mère. Non, mortel. Ben, salut la maman de Merguez Tonio. Salut à tous. Vivement, Cyril Bisson, putain, tu l'as dit, mais il y a du taf avant ça. Hein, parce que qui dit l'heure complètement inédite, dit tout inventé, déposé, je sais pas combien de brevets, c'est déjà en cours. Et franchement, c'est du taf et c'est de l'investissement. Normalement, je suis no-kill, Merguez Tonio. Bon, il vaut mieux que tu sois no-kill. Après, si tu prélèves un poisson de temps en temps, c'est pas trop grave. Hein. Normalement, je suis no-kill avec ma danette devant ton live. Super, il y a juste mes chats, mais ils s'en tapent. Bon, salut les miaou quand même. Hein. C'est de chez qui? Alors, attends, c'est du boulot, c'est clair. De chez qui, quoi? Les leurres que je vais sortir, c'est de chez qui? C'est de chez moi, en fait. Hein. Je préfère tout faire moi-même, en fait. Parce que c'est un truc qui sort encore une fois juste de ma tête et je veux le confier à personne. Je suis assez bricoleur et je vais me démerder tout seul. Après, pour la production, forcément, je ferai appel à des sociétés, quoi. Donc voilà. Mais ça, c'est un leurre qui devrait permettre de faire des pêches de malade et de rappeler aux silures qu'il y a un prédateur au-dessus de lui. Arrête avec tes teasers.
Ah ben ouais, mais j'arrête pas, moi. Ah ok, j'attends ça avec impatience. Yann Bedos. Eh ben c'est cool, mon gars, c'est cool. Pour les Cannes aussi. Alors, pour les Cannes, franchement, les Cannes, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, pour les Cannes, bon, tout le monde connaît une canne, c'est un blanc en carbone. Donc déjà, il faut pouvoir avoir un échantillon de blanc en carbone devant toi, qui est assez vaste pour pouvoir choisir celui que tu veux, avec l'action que tu veux, action de pointe, semi-parabolique, parabolique ou autre, tu vois. Avec la bonne puissance, et ensuite, la bonne longueur, le montage, le machin, et puis ensuite, pour faire fabriquer en quantité, c'est, je crois que c'est un minimum de 2000 cannes. Et en gros, avec le coût de production et autres, en gros, c'est un investissement, c'est 100 000 euros, quoi. Donc, je les ai pas, c'est mort, quoi. Donc, je vais essayer avec... Je suis en contact avec un petit fabricant de cannes local, français, artisanal. Et là, par contre, peut-être qu'il pourra m'en faire en plus petite quantité, plus abordable. Et lui, il peut me faire tester les blancs. J'ai déjà, d'ailleurs, commencé à en tester, là, en fin d'année. Donc, voilà pour les réponses par rapport aux cannes. Bon, standu du 34, ça y est, tu te casses, t'aurais aimé rester. La vie est une question de priorité, mon live, c'est une priorité, mec. Je pêche des spots à silure avec des beaux silures et cela ne m'empêche pas de faire descendre des brocs, des perches. Et ben voilà, c'est ça. C'est ça. Après, c'est vrai, comme je disais, en ce moment, il y a une ascension qui est importante. Ça dépend des plans d'eau, en fait, tu vois. Et il y a des endroits où, s'il y a des herbiers ou des choses comme ça, il y a, les brochets arrivent toujours à justement trouver leur poste, leur zone. Parce que c'est vrai que les silures, ils prennent toutes les places, hein, plus ou moins, sur les bordures et dans les fosses. L'été prochain, j'aimerais tellement tâter une session flotte tube track shadow avec vous. J'ai tout le matos. Écoute, c'est avec plaisir. Je t'avoue qu'on ne fait pas du tout, on est hyper humble et franchement, je suis chaud de venir avec vous tous à la pêche, les gars. Mais c'est un truc de fou tous les jours. Franchement, on a des propositions de gars. Quand je dis on, c'est moi et Castar. On a des propositions de gars qui veulent pêcher avec nous et franchement, ça sera avec grand plaisir. Malheureusement, on peut pas répondre à toutes les attentes et du coup, on donne priorité à nos potes, quoi. Et donc, on fait découvrir même à des potes à nous qui pêchent pas du tout cette pêche et c'est à mourir de rire. Il vaut mieux du fil acier ou fluoro ? Ah, fluoro, l'acier, ça sert à rien pour le silure. Les dents du silure ne casseront jamais un nylon, en fait, tu vois. Le fluoro, même, je vais te dire, tu vas l'utiliser, tu peux mettre 20 cm, ça pourrait suffire pour les dents du silure. Après, moi, je mets des grandes longueurs, parce qu'en track shadow, très souvent, les poissons, ils vont sous les zones encombrées. Et à ce moment-là, il faut une résistance à l'abrasion, que la tresse n'a pas, en fait. La tresse, en gros, tu tends de la tresse, tu vas sur un caillou, tu fais schlac, schlac, ça casse direct, tu vois. Tu prends un fluoro en 100 centièmes, qui a la même résistance en poids, par contre, tu vas le tendre avec la même tension. Tu vas sur une pierre, tu fais ça, ça va pas se couper tout de suite, tu vois. Alors, vraiment, il va falloir insister. Et la tresse, ça sert à ça, donc je te vous conseille de mettre une tête de ligne, franchement, la plus longue possible. Hein, en ce moment, je mets 1m50, mais en gros, tu peux mettre 4 mètres mêlés, quoi. Ça évite de perdre des poissons, de les laisser avec un trip dans la bouche, tu vois, ou quoi. Franchement, c'est beaucoup mieux. J'ai pas vu les derniers messages, les gars, si vous voulez les répéter. Non, pas de message. Putain, tout le monde est en train de bouffer en me regardant, les gars. Mais si vous pouvez pas... Il faudrait faire un rassemblement abonné. Alors oui, on en avait parlé la dernière fois. On en avait parlé la dernière fois et je pense que, alors soit on va vraiment s'organiser ça là sur le mois de novembre parce que j'ai un mois d'octobre assez occupé avec mes différentes passions, notamment le rallye, soit sinon ce sera vraiment pour l'année prochaine en tout début de saison, mais encore une fois quand je dis on, parce que moi et Castar c'est comme si on avait une chaîne en commun, sauf que chacun a sa chaîne, c'est mieux pour vous parce que vous avez deux vidéos sur la même session au minimum, tu vois, une sur la mienne et une sur la sienne, et, mais quoi qu'il en soit on fera ça ensemble je pense. Fiche Passion 33, salut mec. L'été prochain, ce serait cool. Eh ben ouais, avec plaisir qu'on se retrouve, qu'il fasse soleil, qu'il fasse beau, on se fait la grillade, les gars, et franchement, on se met bien. On se fait, je sais pas, une petite session flotte tube, un endroit assez grand comme le lac du Salagou, mais on en avait déjà parlé la dernière fois, et ça va se faire, c'est sûr, quoi. Grave. Ben ouais, c'est clair, il faut le faire, les gars, il faut le faire, c'est clair. Moi, c'est pareil, parce qu'au-delà des noms et des commentaires que je vois, j'aimerais bien vous rencontrer, quoi. Victor Lucas, salut mec. Bienvenue sur le live, mon deuxième live. Yes. Ma deuxième fois. Putain, j'étais puceau la dernière fois. Là, c'est juste ma deuxième fois. Je commence à prendre un peu d'expérience sur les lives. Et voilà quoi. C'est juste histoire d'avoir encore une fois un petit peu plus de contact direct avec vous et puis de converser quoi.
et d'échanger. Hey, salut Julien, je vais manger, je me dépêche, je reviens après. Ok, Trio Fishing Team, je suis pas sûr que je serai encore là, hein, je t'avoue, parce que franchement, ça me fait saliver tout ce que je raconte. Hein. Alors, je reviens un petit peu sur le sujet. Alors, attends, quand tu veux pour une pêche en Sarthe, waouh! Eh bien, l'année prochaine, on doit faire un tour de France. Track Shadow, donc envoyez-moi des messages, les gars, si vous avez vraiment des super spots, on passera par chez vous. Alors une canne 50-175 grammes, est-ce que ça suffit pour le Track Shadow? Je te dirais oui, mais c'est limite quand même. Moi, la mienne, c'est une 100-200, et sur les gros, c'est un peu chaud des fois. Ah, mais ça fait trop chaud pour toi, le salag, Johan Mora. T'es d'où, Johan Mora? Dis-moi, parce que mais le problème, c'est qu'on va pas se déplacer tous chez toi, quoi. C'est mieux de pêcher le silure au vif ou au leurre? Moi personnellement, quand je dis no kill, les gars, c'est même un ver de terre, je le bute pas. Voyez un petit peu ma philosophie de la nature, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, l'homme c'est le cancer de la planète. Plus dès que tu bouges le bout du doigt, t'es nuisible pour l'ensemble des espèces qui sont autour de toi. C'est dommage, mais c'est vrai. Alors le no kill, ben moi ça va avec cette philosophie. Et quand je dis no kill, c'est je vais même pas tuer un ver de terre. Donc un poisson, j'ai eu pêché au vif, mais c'est un truc que je recommencerai plus jamais de ma vie parce que un vif, dis-toi que s'il fuit, si tu te combats quand tu l'as au bout de la canne, c'est parce qu'il tient à la vie, il a conscience de son existence. Il a conscience de son existence, il sait qu'il va crever. S'il sait qu'il va crever, c'est qu'il souffre, mec. Et s'il pouvait parler, et quand tu l'avais dans la main, il dirait non, je t'en supplie, assure. Mais mec, bute pas, on va me prendre pour un sentimentaliste, hein, mais c'est une putain de vérité. Me bute pas, assure, je t'en supplie, tu le relâcherais. Mais le truc, c'est que tu l'entends pas, ce poisson, tu vois. Tu le fais souffrir pendant des heures au bout de ton trident, et après, tu prends un silure avec, t'es content. Eh bien, franchement, c'est moyen. Moi, je dis, c'est moyen. Ne connais pas les spots Carpusso du Moustachu, mais bienvenue en Alsace. Écoute, moi, en Alsace, j'aimerais bien venir pour... je crois que le brochet, la truite, c'est pas mal là-bas. Donc, pourquoi pas, tu vois. Après, ça fait 900 bornes d'ici, quand même. Hein. Je connais pas trop les coins en Sarthe encore. Je suis vers ma mère. Écoute, ma mère, je connais pas du tout. Mais la Sarthe, je vois à peu près où c'est. Écoute, t'as un an pour trouver des spots. Et puis voilà, après je t'avoue qu'on va pas venir faire un tour de France, la pêche au silure en track shadow, pour pêcher des zones où on n'est pas sûr de faire du silure quand même. On va essayer vraiment de trouver des zones track shadow qui sont sympas quand même. Hein. Vers Lyon dans le 38, ouais ça fait un peu loin. Moi je te propose un truc, c'est quand il y aura la rencontre abonnée, il faudra que nous on arrive à créer un truc où vous puissiez vous rentrer en contact les uns avec les autres, ceux qui viennent, et faire du covoiturage en gros pour vous retrouver entre vous, tchatcher un bon moment sur le trajet, et puis boire un coup avec nous une fois que vous êtes arrivé au bord du lac du Salagou et profiter de ce panorama de malade quoi. Parce que le Salagou c'est vraiment magnifique, pour ceux qui connaissent pas, c'est le paradis quoi. En gros, la planète Mars à l'époque, on sait qu'il y avait de l'eau, il y avait des lacs. Et ben là, c'est quoi le lac du Salagou? C'est comme la planète Mars il y a des milliards d'années quoi, en gros, c'est la même chose. Rappel à Fischener, à l'Asp, j'ai un grand appart. Ok, à l'Asp. Why not aussi. Et ouais, les terres rouges, Cyril Buisson, c'est magnifique le Salagou. Moi, franchement, j'ai deux passions quand je vais au Salagou. C'est pour ça que je pêche beaucoup au Salagou, sauf cette année. Ma première passion, forcément, c'est la pêche. La deuxième passion, c'est le lac du Salagou. À part entière, c'est une passion ce lac, parce qu'il est magnifique, vraiment magnifique. Je me pêche de temps en temps, fils, mais à chaque fois que je pense à ce que tu viens de dire, j'ai du mal, donc je vais de moins en moins le faire. Et voilà, je viens de sauver la vie de peut-être milliers, centaines de milliers de petits vifs. Franchement, trop bien. Excellente idée, le Salagou en flotte tube, du coup. Ouais, mais carrément. Alors, viens en région parisienne, à Villeneuve-la-Garenne, il y a du gros. Alors, je veux bien, mais tu sais quoi, moi, j'adore tellement la campagne que Paris, franchement, je fuis. Aller sur le piné ou le sparolou, le salagou est un peu surestimé à mon sens. Ouais, parce que ça c'est le lac de l'Aveyron, et piné, je sais qu'il y a Scarna Fishing là, qui fait pas mal de vidéos dessus, mais ça a l'air quand même assez difficile à pêcher, mais c'est un super lac. Et le parolou, ben, je devais y aller cette année pêcher, finalement c'était un peu trop, il y avait de la pluie quoi. Yo Julien, j'y suis allé pendant les vacances, le Salagou énorme, Magic Fishing, et je sais, t'as pêché tous nos spots pendant tes vacances, t'es allé sur le Salagou, ben, c'est pas nos spots, mais c'est des spots de nos régions en tout cas, et le Salagou c'est énorme, c'est clair. Un tour de France sans passer par Paris? Ouais, alors quand je dis un tour de France, on va rester dans la moitié sud quand même, parce qu'on n'a pas envie de voir des icebergs, des trucs, du ciel gris, des gens qui font la gueule. Enfin, je rigole, je charrie un peu, mais bon, j'avoue, franchement, pour moi, dépasser Avignon, tu vois, t'es dans le nord de la France, tu vois.
Moi, je suis né dans le sud et jamais de ma vie, j'irai faire des bornes pour aller dans le nord de la France. Par contre, vous, je vous invite à venir pour la rencontre abonnée, les gars, dans le sud de la France, trouver le soleil, les gens qui ont le sourire et qui ont l'accent Shantang. Tu vois le délire ou quoi? Comme père. Enfin bref. Les silures sont nuisibles. Petit élevage, grande passion. Les silures sont nuisibles. Ok. Ben, ravi d'avoir ton point de vue. Et ravi d'avoir ton point de vue. Par contre, développe juste pourquoi tu penses que c'est un nuisible, au-delà de ce que tu... Voilà, quelle recherche, quelle analyse tu as fait pour prétendre ça. Raccord fluoro 13, t'as un nœud préféré? Alors, j'ai très souvent fait le nœud Albright. Je vous invite à aller voir des tutos sur différentes chaînes. Je crois qu'il y a Karna Fishing Family qui fait qui a fait pas mal de tutos sur les nœuds. Et Skarna Fishing aussi, donc c'est à peu près les mêmes noms. Le nœud Albright qui est pas mal, qui est très rapide, qui tient bien. Par contre, le FG c'est quand même mieux parce qu'il passe dans les anneaux, ça te permet de te mettre une tête de ligne plus longue. Castar, les meilleurs raccords, la double boucle. Alors je vous explique, Castar, il fait, vous voyez les boucles à l'ancienne, tu vois, les trucs que tu fais, plaque, tu fais une boucle, tu vois, comme les hameçons montés que t'achètes à une boucle, tu vois, et de l'autre côté, hop, il fait une boucle. Et tu raccordes tes deux boucles en faisant un genre de coulant, tu vois. Et donc, du coup, Castar, il fait ça pour le silure. Ça marche, il a fait son 2m27 comme ça, tu vois. Mais bon, ça, bon après, écoute, ça marche apparemment, hein, mais c'est de l'ironie, là. Et Magic Fishing, j'ai vu que tu m'hésitais, si vous voulez nuisibles, machin, genre t'as les nerfs ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Ça marche grave, MDR, on est des go-folles, en fait. Des go-folles, c'est quoi ça? Avec quelle méthode tu es le plus à l'aise pour pêcher le silure? Ah ben, avec quelle méthode? Franchement, sans hésitation, à 99,99%, le track shadow. Moi, je ne suis pas un pêcheur de silure à la base. J'ai trouvé cette technique par faute de brocher, en trouvant un arbre où il y avait des silures, et je me suis dit, tiens, mais si j'étais sur l'arbre d'à côté, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis là, j'ai développé une technique, en fait, tu vois. Mais à la base, je ne suis pas un pêcheur aux silures, donc la pêche en verticale aux silures, c'est un truc que je ne sais pas faire, en vrai, quoi. Non, pour le silure, le mec a dit, c'est des nuisibles. Ah, ok, Magic Fishing, désolé, mec. J'ai mal compris le truc. C'est vrai que vous communiquez aussi entre vous, j'ai l'impression que tous les messages me sont adressés, c'est pour ça que je bug un peu, des fois. Tu pêches autre chose que le silure? Ouais, carrément. Alors, pas trop cette année, j'avoue. C'est vrai que cette année, je me suis vraiment, vraiment, consacré au silure. Mais normalement, je suis un grand fou, mais un grand malade de pêche au brochet. Je suis un grand malade de pêche à la carpe. Et à la base, le silure, c'est pas du tout mon kiff, comme je viens de le dire, quoi. Mais c'est cette technique, franchement. Si la seule technique qui existait, ou si je n'avais pas trouvé cette technique, en fait, bon, il y a des gens, hein, ça court le bruit sur Montpellier, d'ailleurs Magic Fishing est au courant de ça, sur Montpellier, dans des magasins de pêche et tout ça, comme quoi, ouais, le mec, il a rien inventé, ça existait bien avant, et donc, moi, j'ai dit, mais les mecs, ok, je suis allé voir le mec au magasin de pêche à Montpellier, d'ailleurs, sans le citer, Évasion Pêche 34, je suis allé voir, j'ai dit, alors, apparemment, ça fait plusieurs fois que j'entends dire que tu parles derrière mon dos, en plus, pas forcément sympa, et en plus, tu dis, le track shadow, il a rien inventé, le mec, c'est de la pêche en verticale. Je dis, le drop shot, c'est pas de la pêche en verticale. Et donc, c'est quand même une technique à part entière. Track Shadow, c'en est une aussi à part entière. Et trouve-moi une vidéo, mais ou un tuto, ou une discussion sur Internet, où des mecs pêchent le silure en Track Shadow. Et le Track Shadow, je précise, la définition du Track Shadow, c'est simplement, tu prends ta canne, tu laisses dépasser 30 cm, c'est pas, tu jettes, tu ramènes dans les zones d'ombre. Ça, ok, c'est pas du Track Shadow. Tu laisses dépasser un peu ton fil, et tu viens vraiment passer au milieu des roseaux, et passer ton truc et insister comme ça, avec ton flot tube doucement. Qui a vu ça? Voilà, sans prétention, moi je m'en bats les couilles, j'ai pas besoin de prétendre quoi que ce soit, tu vois. Mais qui a vu ça avant moi? Personne. Donc je tiens juste à remettre les pendules à l'heure, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent « Ouais, le mec, il a rien inventé, tu vois. » C'est comme, moi je fais du rallye, tu vois, t'as des mecs qui arrivent, des petits jeunes, qui font des chronos de malade, et les mecs qui sont là depuis 20 ans avec des bagnoles à 200 000 €, ils disent « Ouais, sa voiture, elle est pas aux normes. » Elle est pas machin, blablabla. Tu vois, c'est des mecs de mauvaise foi, tu vois, ils savent pas admettre qu'au bout d'un moment, y a peut-être des mecs qui ont plus de jugeote que toi, ou qui sont meilleurs que toi, tout simplement. Faut savoir l'admettre et se remettre en question. Ça fait avancer, les gars. Bref, je suis dans un monologue, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, petit élevage, grande passion, j'ai pris un brocoleur de 85 cm, il avait gobé un 40 cm. Ouais, mais ça, c'est sûr. Alors, ah oui, la question, je reviens sur la question, ta technique préférée, tu dis au popper comme mon pote Castar. Eh bien, figure-toi que oui, il y a deux vidéos planifiées sur ma chaîne qui vont sortir pendant l'hiver, c'est du silure au popper.
Pour tout vous dire, moi, la pêche au popper, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire que moi, je prenais tous mes brochets au popper, fut un temps, et que des beaux brochets de plus de 80 cm au popper. Et au moment où tout le monde pêchait avec des leurres différents et autres, moi, je prenais tout au popper. Et c'est là que tu fais la différence, parce que c'est un leurre que tout le monde délaisse. Les gros poppers, je parle. Parce que les micro-poppers pour le black, tout le monde utilise, tu vois. Et cette année, on a testé au popper, et en fait, la première fois qu'on est allé tester au popper, que j'ai testé au popper, bam, j'ai fait monter des silures, et du coup, ça nous a donné l'idée de démocratiser un petit peu ça et d'insister, et du coup, on a fait vraiment des beaux silures au popper. Si le silure, alors le cendre, il est mille fois plus, ouais, et le brochet aussi, ouais. Ah, le brochet, la différence du brochet, c'est que le brochet, c'est encore une fois une espèce endémique de notre région. C'est un poisson qui a depuis, je pense, quasi la préhistoire, été dans nos eaux. Et donc, si tu veux, c'est un poisson, on ne peut pas lui reprocher d'avoir une prédation dans nos eaux. Par contre, le cendre, c'est un poisson qui est arrivé, encore une fois, il n'y a pas très longtemps. Je dirais, il y a 40-50 ans quand même, tu vois. Et donc, du coup, de la même manière, ça a été un nuisible à son temps. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Parce que le silure, de la même manière, il prend un petit peu sur le cendre. Ça, c'est sûr, parce qu'il squatte à peu près les mêmes zones. Je viens de me mettre à la pêche, au vert, c'est dur. Et pourtant, le verre, ça reste quand même la meilleure... à qui t'as demandé plein de conseils, enfin... T'es en direct, papa, excusez-moi les gars. C'est Mika, celui qui... Ah oui, mais Pinta, Michael, oui, sur... alors, ouais, d'ailleurs, je tiens à le préciser, oui, bien sûr, sur la page Facebook Track Shadow. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir directement sur mes dernières vidéos, vous avez un lien vers ma page Facebook... Track Shadow by Julien Signoret, encore une fois pour rappeler que ouais, c'est moi, je suis un peu narcissique, mais mes couilles, j'ai inventé une méthode et je vais pas m'en cacher quoi, hein. Ça fonctionne et voilà. Du coup, je vous invite à y aller dessus. Le but, c'est simplement si vous avez fait des vidéos, si vous faites des photos de poissons que vous avez pris en Track Shadow, bah, c'est pour les échanger, les publier, échanger aussi vous, vos expériences. Parce que le Track Shadow, même si on l'a pas mal avancé la technique aujourd'hui, il y a encore plein de choses à découvrir et c'est peut-être vous, de votre côté, qui allez découvrir de nouvelles choses avec le Track Shadow, donc allez partager et à discuter avec nous justement sur la page Facebook, donc Track Shadow, n'hésitez pas, allez-y les gars. Bon, je fais une petite pause de seconde les gars, je vais boire un petit verre d'eau, je me remplis le verre après et je reviens tout de suite. Ouais, de retour. Bon, allez, qu'il y a une petite question. Allez, salut à tous. Salut Julien, salut Jubru34. Le cendre est un nuisible, il y a une cinquantaine d'années maintenant, prisé par les viandards. Exactement, Julien, le retour. Et ouais. Et c'est sûrement ce qui fait que le cendre a bien disparu, parce que c'est vrai qu'au niveau gustatif, un cendre bien cuisiné, c'est super bon, quoi. Et je pense que c'est ça qui a... Le cendre, il a été victime de son succès. Non, Jubru, pas de Jack ce soir, malheureusement, j'en ai pas. Alors, c'est du Coca-Cola. C'est du Coca-Cola. D'ailleurs, si vous voyez le verre, hop. Ah non, on le voit pas trop. Le Cabanon Bleu, c'est une super paillote dans le golfe de Porto Vecchio. Je vous invite à y aller, c'est super beau. Si vous avez des vacances, vous allez en Corse, vous allez à la paillote, le Cabanon Bleu, c'est de la balle atomique, c'est vraiment le paradis là-bas. Alors Pinta, Michael, viens à la maison, j'ai du Jack. Putain, mec, je viendrais bien chez toi, boire un coup avec toi, mais putain, à mon avis, t'es un peu loin, quoi. Alors, viens à la maison, j'ai du Jack, chouette la vidéo de Castar sur ce sujet. Exactement. Exactement, alors c'est bien parce que tu l'as déjà vu, la vidéo de Castar, parce que la plupart, je pense, qui regardent cette vidéo, l'ont pas vu. Castar propose un truc qui est vraiment sympa, en fait. C'est une très bonne idée, je trouve. C'est une très bonne idée où les premiers bénéficiaires, c'est les silures, en fait, de cette idée. Parce qu'ils y sont pour rien. C'est une pauvre petite espèce que la nature a créée, qui était bien dans son élément, qu'on est venu déranger, prendre et exporter dans d'autres rivières. Et maintenant, voilà, il y a des mecs qui les laissent crever à l'agonie sur la berge, tu vois. Et ça, c'est dégueulasse. Et donc, Castar, il a trouvé une solution pas mal. C'est qu'en fait, il y a 1 million de pêcheurs en France, voire 1 500 000.
Et en fait, l'idée, c'est que chacun de ces pêcheurs donne 1 euro pour un projet. Je précise, pour un projet, et non pas pour Castar. Je connais bien le personnage, c'est pas le genre. Donc, il a fait un PayPal, justement, pour cette idée-là. Et donc, l'idée, c'est que chacun donne 1 euro pour que lui, il ait assez d'argent pour créer un lac et créer des accords aussi avec les préfectures de pêche. Et tous les lacs privés, ou si demain le silure passe en nuisible, que ces poissons-là qui vont être pris et sortis de l'eau, au lieu que ce soit pour les restaurants ou les Chinois, ou enfin, j'ai rien contre les Chinois, mais les restaurants chinois, je sais qu'ils aiment bien le silure, et que ce soit pour ça, et bien que finalement ces poissons puissent continuer à vivre dans un lac qui est fait spécialement pour eux. Donc c'est l'idée de Castar qui, franchement, n'est pas dégueulasse en soi. Et donc, regardez sa vidéo et faites une petite donation PayPal. C'est une donation, il n'y a rien d'obligatoire. Soit vous adhérez, soit vous adhérez pas. Droit à la critique, vous l'avez aussi. Mais bon, franchement, je trouve que c'est une idée qui va dans le sens justement de l'environnement et des poissons. Et donc, de faire une petite donation à Castar sur ce projet-là, je pense que c'est une bonne idée et que vous alliez voir un petit peu aussi. Voilà, c'est une bonne idée. Les gars, si vous vraiment, c'est PayPal, c'est protégé, quoi. Faites une donation sur le projet Castar. On va même on va appeler ça le projet Castar, quoi, tu vois. Faut assumer les conneries de nos pères, eh ouais. C'est ça, parce que c'est pas nous qui avons exporté ce putain de poisson ici. Je vous donne un exemple, sur Montpellier, on a un fleuve que moi et Castar, on pêche beaucoup, sans le citer, et je le citerai pas. Et en fait, on a, je crois que c'est l'INRA, donc c'est un institut national de recherche agronomique, et en fait, qui avait des bassins avec différents poissons, justement, pour de la recherche. Et dans ces poissons, il y avait le silure. Et en fait, c'est sur la partie haute de ce fleuve, en fait. Hein. Et donc, l'INRA avait un bassin qui était au bord de ce fleuve pour alimenter, justement, nous, en permanence, justement, les bassins en oxygène et autres. Et donc, un jour, il y a eu une crue, et donc, les bassins ont été submergés et les silures sont arrivés dans ce fleuve. Je vous parle de ça il y a plus de 30 ans. Hein, ça fait un moment, et c'est pour ça que dans ce fleuve, au jour d'aujourd'hui, on a quand même une quantité de silure qui est très importante, qui commence à se réguler, mais on est sur le pic, pour ceux qui ont vu le début du live, on est sur le pic hein, de la croissance du silure, avant justement que ça commence à s'auto-réguler, que ça se régule de manière générale. Donc voilà pour l'histoire du silure sur ce fleuve à Montpellier, que beaucoup de monde connaissent. Bon, qu'est-ce que vous racontez les gars, sinon? Bon, j'en profite, personne ne me pose de questions. En attendant, je vais fumer un petit peu parce que... Si on est dans un canal, par exemple, pour le track shadow, c'est compliqué, tu trouves pas? Ouais, franchement, ouais. Alors, l'idée du track shadow dans un canal, par exemple, c'est que vu que tu as zéro zone d'ombre dans un canal, parce que en général, bon, les berges, c'est quand même des murs ou... Enfin, voilà, c'est des créations de l'homme, donc si tu veux, tu n'as pas forcément de végétation dessus. Le seul arbre tombé dans l'eau, branche tombée dans l'eau ou autre, tu es sûr qu'il y a du poisson dessus. C'est quand on pêche la carpe, par exemple, dans des canaux comme ça, on sait que, par exemple, il y a des berges en béton et un canal. À l'endroit où il y a une voiture au fond de l'eau, tu sais que tu as 90% des poissons du secteur qui sont regroupés autour de cette structure-là. Donc, dans les canaux, tu recherches vraiment, tu marches le long du spot sans pêcher, tu cherches même pas à faire des jetés ramenés. Et tu vas chercher juste la branche qui va être au-dessus de l'eau, qui va venir sur l'eau, ou le truc qui va faire un petit peu d'ombre sur l'eau. Et là, tu es sûr de trouver du poisson dessus. Donc, en quelque sorte, c'est compliqué parce qu'il y a très peu de zones à pêcher. Et de l'autre côté, c'est très facile parce que les peu de zones à pêcher, elles sont faciles à repérer. Donc ça, c'est l'exemple que je vous donne pour les canaux, les gars. Et pour tous les autres fleuves, c'est pareil. Si vous avez des fleuves où il y a très peu d'obstacles sur les bordures, eh bien, dès que vous trouvez des obstacles sur les bordures avec un peu d'ombre, là vous êtes sûr de faire carton en fait. Mais en canal, je le pêche en surface. Eh bien, comme tu veux, mec. Avec la moindre truc en canal, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut trouver des structures en fait. Hein. Après, les algues mortes ramenées par le courant, t'en as parlé? Non, j'en ai pas parlé. Mais ça, c'est important. Ouais, bah de toute façon, c'est les meilleures zones track shadow. C'est-à-dire qu'en plus, depuis à peu près, je vais vous dire, le 15 août, en tout cas sur notre région, dans le sud de la France, on a des herbiers qui commencent à se détacher, qui ont pris un peu trop de température, et après avec la rebaisse des températures aussi, qui commencent à se détacher, à mourir en fait. À se détacher, ils flottent, et avec le léger courant de votre fleuve, suivant les fleuves où vous êtes, ils viennent se déposer justement sur les arbres en bordure, et à force de s'accumuler,
Ça peut créer des zones qui font 5 mètres d'herbier entassés les uns sur les autres, hyper denses, et dessous, c'est l'obscurité totale. Ça, c'est de la zone track shadow, les gars, je dirais, c'est du 25 sur 20, tu vois. La note, c'est de 25 sur 20. T'es sûr que là-dessous, il y a du silure. À moins qu'il y en ait tous les 2 mètres, ou tous les 4 mètres, ou tous les 10 mètres, tu vois. S'il n'y en a pas tous les... Voilà, même s'il y en a, tu es sûr que sur une sur trois, tu vas trouver du silure. Et s'il n'y en a que 4 ou 5 sur ton plan d'eau, mais mec, c'est carton assuré, ça. Il faut pêcher ça, absolument. Avec l'épisode Sevenol, il y a erreur du ménage sur le lez. Le bredouilleur. D'ailleurs, pour tous les gens qui regardent ce live, hein, bon, vous n'êtes pas nombreux à me regarder, en même temps, c'est l'heure de bouffer, je comprends bien. Et quoi qu'il en soit, c'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte, et allez au rendez-vous. Pour tous les mecs qui regardent ce live, qui sont de Montpellier, les environs au sud de la France, demain, épisode Sevenol. Ça veut dire quoi? Grosse pluie, que la terre... d'ailleurs, on a tellement goudronné la terre qu'elle absorbe plus rien, et puis il n'a pas pu depuis très longtemps aussi, donc la terre est un peu imperméable. Tout va partir dans les ruisseaux, tout ça, ça va se déposer dans les fleuves, ils vont monter, ça va être la crue, en gros, tu vois. Et en gros, à part le track shadow, la seule formule que je connais pour faire du silure au leurre de manière assez facile, c'est pêcher pendant les périodes de crue. Ce que je vous conseille, les gars, si vous ne connaissez pas un petit peu le délire, c'est pêcher toutes les zones de repli. Imagine que toi, tu vis dans un truc qui fait 40 mètres de large avec des falaises sur les côtés. Et d'un coup, il y a un vent à 300 km/h qui se lève. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire chercher les zones à l'abri du vent. Le poisson, il va faire quoi? C'est exactement la même chose que le vent pour nous. Et là, c'est du courant, tu vois. Et le poisson, il va chercher une zone à l'abri. Les zones à l'abri, ça va être derrière des structures, derrière des arbres. Ça peut être aussi, et surtout... T'as un virage sur le fleuve. Extérieur du virage, toute l'eau s'accélère. Intérieur du virage, toute l'eau ralentit et contre-courant. Donc tu vas avoir une zone de tourbillon un petit peu au milieu. Et tu vas avoir une zone, je dirais, de zone neutre. C'est-à-dire, il n'y a quasiment pas de courant, tu vois. Et cette zone-là, tu la pêches, tu fais du poisson assuré. Tous les poissons sont là. Silures, carpes et autres. Et les silures, à cette période-là, ils se gavent. Ils se gavent. Chaque fois que j'ai fait des silures pendant les périodes de crue, quand tu remontes ton silure, il régurgite énormément de poissons. Hein. Alors, ça va en contradiction du débat de ce soir qui est silure nuisible ou pas. Alors là, pour le coup, c'est clair que pendant la crue, il bouffe pour 2 mois le machin, hein, je te garantis. Moi, j'en ai vu régurgiter 5 ou 6 mulets, 2-3 carassins, tu vois. Des trucs de presque 2 mètres et des carassins de 500 grammes, tu vois. Mais c'est comme ça. Il est opportuniste, il en profite, après, il est tranquille pour un moment. Sortez pas les flottes sur le lez demain, sinon vous finissez à Palavas en 5 minutes. Putain, tu l'as dit, mec, t'as raison, c'est bon pour les carnassiers. Alors, demain, la crue, c'est bon pour les carnassiers, c'est bon pour les silures surtout. Parce que le silure, il n'a pas besoin d'y voir forcément pour chasser, au contraire. Il profite des poissons qui, eux, y voient. Et du coup, pendant les crues, les autres poissons sont déstabilisés par le courant. En plus, ils n'y voient pas grand-chose. Le silure, lui, il capte toutes les vibrations. Et il y a un échange chimique qui se fait aussi. Et donc, il comprend tout ce qui se passe autour de lui, un peu comme une chauve-souris, elle n'y voit rien. Mais elle comprend tout ce qui se passe autour d'elle, même si c'est différent au niveau du système. Et donc, les silures, c'est la même chose. Et donc, en période de crue, il sait que tous les poissons qui, eux, ont un bon visuel, perdent un sens. Et lui, son sens prend toute son ampleur, et c'est là que ça devient un prédateur de malade. Et il a bien raison. Alors, j'adore tes conseils, Pinta Michael. Et bien, écoute, avec plaisir, mec. Il n'est pas nuisible, le silure. Ouais, écoute, on est plus ou moins d'accord. Bah oui, normal, la crue annonce le froid. Et ouais, mais les gars, c'est le début de la fin. Hein. C'est le début de la fin, c'est l'hiver. C'est pour ça, je pense que cet hiver, franchement... Alors, bon, je le redis. Cet hiver, entre moi et Castar, on a entre 30 et 40 vidéos planifiées pour cet hiver. En fait, tout cet été, on a pêché quasiment tous les jours, les gars. Tous les jours, quasiment. C'était comme notre métier, on faisait plus de 35 heures par semaine. Hein. Et en fait, toutes les vidéos qu'on a faites, on en a publié très peu en un instant T, tu vois, genre cette semaine, on fait une session, paf, on publie à la fin de la semaine. Ça, on l'a très peu fait. On a tout gardé pour cet hiver, parce qu'on s'est dit, cet hiver, ça va se raréfier pour les gens, ils vont avoir envie de soleil, ils vont avoir envie de track shadow. Et c'est pour ça qu'on a tout gardé. Et en fait, à partir de la semaine prochaine, vous avez la première partie, justement, de silure, la session d'une vie, et je vous garantis que... Il y a du très gros silure et une bonne quantité de silure et de combats qui sont dans cette vidéo. Et franchement, lâchez rien. Vous avez eu le trailer, la bande-annonce qui est passée sur ma chaîne aujourd'hui. Donc vous pouvez aller la voir aussi. Elle est passée sur la chaîne à Castar aussi la semaine dernière. Et elle est encore d'actualité dans les nouveautés.
Et n'hésitez pas à aller la voir. Et à partir du 17 octobre, donc la semaine prochaine, vous avez la première partie. Et à partir de là, les vidéos vont commencer à tomber. Franchement, mais sans vous faire une vente, les gars. Du lourd, du très très lourd, vraiment. Alors, on sait que les serpents ne mangent pas tous les jours. Voilà, c'est la même chose. Superbe vidéo avec Castar. Merci Cédric Debar. Et ouais, on essaie de se donner un max quand même pour vous offrir des bons trucs. J'avoue que, c'est quoi, c'est un peu comme un truc bénévole en fait, YouTube. Parce que franchement, l'argent que tu gagnes, c'est zéro. Franchement, tu gagnes rien, tu vois. Ce qu'on fait nous, c'est le plaisir de faire plaisir, le plaisir de partager, tu vois. Honnêtement, je me retrouve avec des spots de pêche que je pêche depuis des années, où j'étais le seul à les pêcher pendant des années, avec maintenant plein de YouTubeurs, enfin de mecs qui ont regardé sur YouTube et qui viennent pêcher. Mais bon, ça passe par ça aussi le partage, tu vois. Ça. Franchement, ça m'emmerde. Parce que tu montes ta technique, tu montes tes leurres, et les mecs, ils viennent pêcher sur tes spots. Franchement, ça fait beaucoup, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà, tu vois. Mais en même temps, on fait ça généreusement. C'est pour partager avec vous ces vidéos-là. C'est pour ça, on le dit jamais sur nos vidéos, mais si vous pouvez partager, liker, commenter les vidéos, forcément pour le référencement, c'est mieux. Et vu que notre truc, c'est de partager le plaisir avec un maximum de personnes, mieux c'est référencé et plus le plaisir est diffusé. Et c'est notre objectif. J'ai vu qu'il y avait un petit message de Medline, là, avec deux petits yeux grands comme ça, là, avec des petits cœurs. Salut meuf, même si on s'est jamais vu. Pour le leurre souple Berkeley Power Bait Pulsat, du me conseille du 14 cm. 18, ça commence à faire un peu gros pour le silure. Et en plus, en track shadow, tu vois, ton leurre, il pèse au bout du bras, tu vois, donc il vaut ça rien de mettre du gros. Allez, je file juste... Mais bon, un fil encore, merci à toi pour ton partage. Ciao, Alkikista. Et patiente bien pour la reprise de Castar. Franchement, c'est dommage ce qui lui arrive, mais... Faut patienter, dans 25 jours c'est le retour à peu près. Allez, ok, merci. Ouais, on ne veut pas de toi en France, Medline. Mais comment ça, t'as fait une demande de papier, tu veux qu'on fasse un mariage blanc? Plaisante, bien sûr. Ouais, bonne soirée à vous et continue comme ça. Merci Yannick Langlais, ça fait plaisir. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, c'est peut-être après le repas, je vous souhaite une bonne digestion. Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Je vais continuer encore un petit peu, mais je pense que je vais m'épuiser au bout d'un moment. Le débat du jour, comme vous l'avez vu, c'est silure nuisible ou pas. On a déjà pas mal développé là-dessus. Je pense qu'à la fin du live, je vais mettre cette vidéo en ligne pendant quelques jours, et après je la supprimerai. J'aime pas trop mettre les lives trop longtemps en ligne et tout ça, enfin je sais pas. Donc je vous inviterai à revoir le live du début pour voir un petit peu les débats qui ont été développés dans cette vidéo. Et pour ceux qui nous rejoignent aussi, n'hésitez pas à poser vos questions, remettre le débat. Moi, Medline, j'adopte Olga Luxi Bang Bang. Gang Bang, non Bang Bang. J'ai pas revu les messages qu'il y avait en dessous, les mecs, si vous pouvez les répéter, ça serait sympa. Bon, il n'y a plus de discussion, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu la parole, il y a un truc. What happened? C'est vrai que c'est bien l'heure d'aller dormir pour toi. Puis genre, je suis fatigué ou quoi? Tu crois quoi? Il n'y a pas de décalage horaire. Je sais que tu es en Suisse, Medline, parce que Castar, il t'a vu quand il allait en Suisse. Il n'y a pas de décalage horaire, n'empêche. Alors, non t'inquiète, la fripouille, lol, c'est quoi, c'est Fripouille Jack ou quoi? T'es beau bébé, me dit Castar. Oh, putain, c'est beau ça, on va nous prendre pour des bêtes, des pèdes après, Castar, là. Franchement, ça craint, on n'est pas sur une île déserte, hein, je te le rappelle. Bon, Castar vient de manger, il vient de nous rejoindre, je pense, parce que depuis un moment, il n'était pas là. Non mais bon, ton âge avancé, voilà quoi. Ah ouais, mon âge avancé, mais quel âge j'ai, Medline, d'après toi? Alors, bon, pas de pêche pour cet hiver. Si, on va pêcher différemment, je crois, mais... Castar a rencontré un mec qui nous suit, en fait, qui a l'air assez sympa, d'après ce qu'il m'a dit, et qui a un bateau, donc c'est possible qu'on fasse quelques pêches en bateau, plus ou moins diverses, quelques pêches opposées du bord aussi.
Voilà, mais ça va être un peu moins actif, mais quoi qu'il en soit, les vidéos, ça va continuer. Alors, quel appât non vivant pour le silure opposé? Je te dirais le pelé. Le pelé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des granulés de farine de poisson qu'on utilise notamment pour la carpe. C'est la même chose que vous donnez dans les aquariums, les petits granulés noirs, là. Et en fait, le truc pour la pêche du silure pelé, le peu que j'en sais, c'est qu'en fait, il faut amorcer très très souvent. Et habituer, un petit peu comme pour la carpe aussi, habituer les poissons à cette sonorité des granulés qui tombent sur l'eau pour qu'ils viennent directement. Pelé carné qui pue bien, voilà c'est ça. Pelé carné qui pue bien, l'huile, avec de l'huile dedans quand il y a des eaux chaudes. Et surtout pas de pelé gras quand les eaux sont froides. Parce qu'on sait que les huiles figent en hiver. Et donc si tu veux pêcher au pelé en hiver, trouve des pelés qui sont très secs, très déshydratés. Très peu gras, juste de la farine de poisson, limite comprimée, quoi. Mais pas d'huile de poisson à l'intérieur. Pour ceux qui pêchent la carpe aussi, il faut savoir que toutes les bouillettes carnées, pas de souci. Par contre, toutes les bouillettes à base d'huile, huile de sardine, huile de saumon, huile de poisson différentes, surtout ne pas pêcher, ça diffuse rien du tout. Les huiles se figent encore une fois, et donc ne diffusent rien du tout. Ça bloque complètement le système de diffusion de la bouillette ou du pelé, si vous cherchez le silure. Alors, le pelé, il en faut beaucoup, ouais, il en faut pas mal. Mais bon, tu trouves des gros sacs de pelé de 25 kg à 50 euros, tu vois. Mais bon, c'est sûr que c'est un investissement. Bon, moi, j'avais l'habitude de pêcher la carpe, donc en amorçage, tu sais que tu dépenses du pognon de toute façon. Donc ça me surprenait pas, tu vois, mais en gros, ouais. Quelqu'un connaît de bonnes rivières pour le glan à Sarpe? Alors non, moi non. As-tu déjà pris autre chose que des silures en trac, genre gros broc? Moi, personnellement, non. J'ai fait des perches, enfin j'ai fait monter des perches, mais vu que je pêche en 80-90 centièmes fluorocarbone, tu vois, les perches, elles se sont approchées, la plupart elles se sont cassées. Par contre, Castar, de la même manière, hein, je fais beaucoup de promos pour sa chaîne, mais il y a des très bonnes vidéos, et notamment une session où on était ensemble. Il manque un brochet que j'estime sur la vidéo, vu sa canne, vu tout ça, tu vois, en comparatif, 1 mètre, entre 1 m10 et 1 m20, au track shadow. Salut Cheese, salut mec. Salut à tous, fasse la pêche, tout le monde. Alors, je sais pas si t'arrives ou tu t'en vas, je sais plus trop. Je sais que Magic Fishing t'a laissé un message tout à l'heure que j'ai retenu en tête où tu disais pêche au cassant. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, pêche au cassant, je peux pas. Voilà. No kill, c'est jusqu'au bout, tu vois. C'est même le vif, c'est no kill, quoi. Même le ver de terre, c'est no kill. En même temps, vous êtes pédé, c'est normal que vous faites de la pub pour chacun. Mais toi, tu pars en couille, sans déconner, c'est quoi ton délire? Bon, enfin bref, c'est de l'humour, j'en conviens. Déjà, teste le knacky. Non, mais apparemment, ça marche bien, ouais. C'est mortel, le knacky. Apparemment, ouais. Ben, en fait, c'est en plus, c'est ces odeurs un peu fumées que tu peux avoir dans les knackies qui marchent bien, je pense. Merci, Eric P. À la prochaine, mec. Ça t'est déjà arrivé de tomber sur flotte à cause d'un gros fish ou c'est stable? Je suis jamais tombé à l'eau à cause d'un gros fish. Par contre, je vais vous raconter mon ouverture du carnassier 2018. C'est horrible ce qui m'est arrivé. En fait, maintenant j'ai un nouveau flotte tube que Sparrow, donc JMC, a eu la gentillesse de m'offrir. C'est le même que Castar, mais en kaki. D'ailleurs, c'est grâce à Castar qui m'a mis en relation directement avec le directeur de JMC. Merci à lui, à Manu et puis à Castar d'ailleurs. Et donc, mon ancien flotte tube, c'est un vieux JMC des familles, tu vois, et très bas en assise. Donc moi, ce que j'ai fait vraiment un système de clochard, quoi, je dirais. Hein. J'ai mis un bidon de 20 litres en plastique sur lequel j'ai mis une chaise de plage. C'est celui que vous avez vu sur la plupart de mes vidéos. J'ai fait énormément de poissons avec celui-là. Et en début de saison, j'avais mal fixé le bidon et tout. C'était pas très stable, en fait, tu vois. Je vais au lac du Salagou pour l'ouverture du carnassier. Je pêche au brochet et tout. Il y avait un peu de vagues. Et à un moment, je vois un leurre accroché à une branche. J'essaie de l'attraper, il était un peu loin, je me penche, j'avais les waders. Hein. Donc très dangereux. J'avais les poches ouvertes à côté avec tous mes leurres et la poche ouverte ici avec mes clés de voiture, les batteries de GoPro, le portable. Je me penche pour attraper le leurre, qu'est-ce qui se passe? Blah! Je tombe dans la flotte, le flotte tube retourné. Tous les leurres, mais attends, quand je te dis tous les leurres, il y a des big bait de malade, des leurres soupe de malade, tous les leurres au fond de l'eau. Mon portable au fond de l'eau, les batteries de GoPro au fond de l'eau, les clés de la voiture au fond de l'eau, le cauchemar de malade. Et là, t'es dans l'eau qui doit être à 15 degrés, tu vois, à peu près, qui est en train de remplir ton wader, donc tu deviens de plus en plus heureux. Heureusement,
Tu vois, t'as encore ton flot tube à l'envers à côté. Et t'as les branches de l'arbre à côté, tu vois. Donc tu t'accroches et tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'il est en train de m'arriver, quoi. Déjà, c'est en mode, tu sais quoi, ça craint, mec, pour ta vie, tu vois. Tu dis, si je lâche ça et ça, je coule comme une pierre, tu vois. Donc, je réussis à me remettre sur la berge, à ramener mon flot tube, me rendre compte que tout s'était renversé. Donc là, mec, c'est bad trip, c'est un truc de malade. Et donc, une fois que j'ai fait ça, donc je remets le flot tube à l'endroit, je vide mes waders, je me gèle complet et je me dis, mais je vais pas y retourner en flotte, ça me fait trop flipper. Je me fous en calbut et je retourne à la nage, plongé dans 2m50, 3m d'eau, dans 15 degrés, avec une eau floue, pour récupérer mes clés. Et je racle mes mains au fond et j'accroche des hameçons triples qui me piquent la main, je récupère quelques trucs et tout. Tu vois, au final, le bad trip de ouf. Je me dis, mais attends, mais ma voiture, mes clés, j'ai qu'un exemplaire. Comment je fais? Elle va partir à la dépanneuse, c'est le bordel, quoi, tu vois. Au final, j'ai pris ma canne, j'ai accroché un triple au fond, au bout, je me suis remis sur le flot tube en caleçon, et hop, j'ai raclé le fond avec le triple, j'ai réussi à récupérer mes clés, quelques leurres, et je suis revenu quelques jours après avec un aimant que m'a prêté Castar, vu qu'il fait de la pêche à l'aimant, et j'ai récupéré encore les leurres qui étaient déjà montées avec des triples, voilà. Pour la petite histoire, donc, le flot tube, est-ce que tu peux te renverser? Oui, ça arrive, mais pas avec des poissons, pour ma part. Et par contre, la vraie question, et je vous le dis pour tous ceux qui pêchent avec des bottes sur des bateaux, ou avec des waders sur des bateaux ou sur des flot tubes, les mecs, super attention, franchement, on peut crever, mais d'une fraction de seconde, sans s'en rendre compte comme ça, quoi. C'est hyper dangereux. Donc voilà, encore une fois, fin du monologue. Il y a eu des questions, remettez-les les gars, s'il vous plaît. En tout cas, je voulais faire partager cette expérience. Quelle flotte tu conseilles, petit budget, s'il te plaît? Petit budget, j'ai aucun flotte à te conseiller. J'ai juste un conseil à te donner. Quand tu investis quelque chose, si ça fait longtemps que tu pêches, investis tout de suite dans quelque chose de bien, sinon tu seras déçu. Tu vas en acheter plusieurs bas de gamme qui vont te coûter plus cher qu'un haut de gamme que tu aurais gardé pendant 30 ans. Donc fais le calcul, mets de l'argent de côté encore un petit peu et achète, franchement, moi les seuls... c'est moi qui avais à l'époque conseillé Castar pour le flot tube. J'avais dit, prends un Sparrow. Mais moi, je ne les connaissais pas. Lui, il rentrait en relation avec eux. Et du coup, il a eu un Sparrow et il a eu cette chance-là. Et puis moi, un an après, j'ai eu cette chance-là aussi grâce à lui. Mais le Sparrow, pour la pêche en track shadow et toutes les pêches, c'est le top du top. En gros, c'est de la toile Zodiac de malade, super épaisse, définition de ouf. Et en gros, voilà, c'est le flot tube. Moi, je sais que j'en ai un maintenant. Je sais que dans 20-30 ans, je l'aurai encore, quoi. C'est des caleçons, ils sont super fins à la cartouche. Gilet de sauvetage pour mon flot et canoë. Eh ben, t'as bien raison, le gilet de sauvetage. Ouais, Sparrow. Franchement, Sparrow. Prends un Sparrow. Boive que de la bière, du coup, je vais que dans des... J'avais que des capsules bière. J'ai pas compris. Alors, combien il coûte le Sparrow, je sais même pas. Je crois, sans te dire de bêtises, je crois que c'est 500 balles. C'est 500 balles, mais bon, après, à toi de voir. Hein. Pour un flotte que tu vas durer, que tu vas garder pendant 25 ans, si tu fais l'étude, ça te fait 20 euros par an, quoi, un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, 20 euros par an, ça te fait 500 balles. Donc, si tu divises par mois, mec, ça te fait 1,50€ ou un truc comme ça. Donc, ça fait pas cher le flotte tube, finalement. Mais il vaut mieux prendre un truc tout de suite, bien. Déjà, tu es en sécurité dessus. Et ensuite, en plus, tu vas pêcher, tu vas être à l'aise et tu vas bien pêcher aussi. Je vis que mes potes boivent que de la bière. Du coup, j'avais que des capsules bière. Ah oui, mais ça, c'est par rapport à ta vidéo, Magic Fishing. Mais je l'ai vu où tu pêches, tu fais des cuillères avec des capsules de bière. T'as vu, je te suis, mec. Hein, je te suis. Et pas mal, hein. Avec les phases, la pêche. J'ai pas vu la suite, mais je l'ai vu ta vidéo, en tout cas, Magic Fishing. C'est pas mal, franchement. Je sais que tu fais des leurres un petit peu à droite à gauche. Et de faire des leurres avec des capsules de bière et de prendre du poisson sur des vidéos, la classe, mon pote. La classe. Oh là, putain, je parle. Mais vous, c'est quand vous parlez, les gars, bordel, à part à taper sur votre clavier, là. Si je pouvais vous faire participer de manière, tu vois, où on pourrait vous entendre, eh ben, je le ferais direct. Alors, du coup, j'ai récupéré les batteries de GoPro. Ouais. Les batteries de GoPro, j'y suis retourné même 3 mois après. Je suis allé les récupérer. Malheureusement, je pense qu'elles ont déjà un petit peu pollué. Le portable, c'est vraiment bizarre. Hein. Je ne l'ai jamais retrouvé. Alors, il faut savoir que dans cette zone-là, quelques mois après, il y avait une zone d'herbier de malade qui a poussé. Et donc, je pense que c'est resté dans les herbiers. Ça m'emmerde parce que c'est vrai que les batteries, ça craint, quoi, pour l'écosystème.
Il est top, Julien. Tu inventes le track shadow, la pêche à la capsule. Et toi, alors, tu es comme Julien, je pense qu'il a dit, par rapport à Magic Fishing. Mais c'est ça, hein, créer des nouvelles techniques. Moi, je suis en train de calculer un truc, c'est que pour la pêche du silure, en gros, tout ce qui existe jusqu'à maintenant, jusqu'à, alors je vais dire avant le track shadow, sans me faire saucer, c'est des méthodes de pêche au cendre et de pêche au brochet qui ont été réadaptées pour le silure. Mais rien n'a été inventé de proprement dit pour le silure. Ça, c'est fou quand même. D'où le leurre que je vous ai dit qui va sortir l'année prochaine, je l'espère en tout cas, parce qu'il y a énormément de boulot à faire dessus, qui est complètement inédit et complètement différent de tout ce qu'on peut connaître. Et ça reprend aucune connaissance que vous pouvez avoir sur les leurres existants, en fait. Et c'est là que ça, c'est un leurre 100% silure, même si peut-être qu'il prendra d'autres choses. Et c'est pour ça que, pour moi, il va révolutionner la pêche, réellement. Donc voilà, si vous avez un nom à donner à ce nouveau leurre d'ailleurs, c'est jamais un nom qui révolutionnerait la pêche, le Che Guevara Killer ou un truc comme ça, vous pouvez les gars. Bouteille de lait, tu peux faire des belles cuillères blanches. Ah oui, c'est clair, ben, c'est de l'inox. Avec de l'inox, tu peux... si vous regardez aussi les vidéos de Jean-Claude Tanzilli, lui, pendant des années, il a fait des cuillères ondulantes avec des cuillères, mais pas avec la cuillère en elle-même, avec la branche, enfin, je trouve plus mes mots tellement je parle, moi. C'est, voilà, avec la base de la cuillère, en fait, cette partie-là, trouée d'un côté et de l'autre. Vous pouvez aussi voir dans Mordu de la pêche avec Cyril Choquet, que je recommande à tous ceux qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait, mais c'est de la bombe atomique, ce reportage, à ce mec-là. J'adore ce type. À un moment, il va pêcher dans je ne sais plus quel pays, le brochet. Il a juste pris des cuillères, des petites cuillères à café, il fait un trou d'un côté, un trou de l'autre, un trident d'un côté, un émerillon de l'autre, il jette ça, il fait du brochet, attire l'arigot. Hâte de voir Seller, j'ai déjà la troisième client après toi, et Castar Tanzili, un grand malade, tu aurais pu pêcher avec une fourchette lui. Ouais. Quel a été ton plus gros silure? Mon plus gros silure de ma vie, encore une fois, je ne suis pas un pêcheur de silure à la base, c'est le track shadow qui m'a fait pêcher au silure, c'est de découvrir cette technique qui m'a fait kiffer la pêche au silure. Et donc, je ne suis pas un mec qui pêche le silure depuis 400 milliards d'années. Mon plus gros silure, c'est cette année, c'est 2,18 m. J'ai fait 2,17 m et 2,18 m. Et Castar a fait 2,17 m. D'ailleurs, pour faire un peu de promo, la vidéo qui sort la semaine prochaine sur ma chaîne, c'est le 2,17 m. Donc, vous pouvez, si vous avez marre de voir du petit poisson sur nos chaînes, parce que c'est vrai que ça dépasse rarement les 2 mètres, et bien là, il y a du plus de 2 mètres. J'ai toujours voulu tester la cuillère avec la cuillère à café. Bravo, Cyril. Et ouais. C'est choqué, un tueur, putain. D'ailleurs, il faudrait qu'il revienne à des mordus de la pêche, plus des pêches XXL, tu vois, avec des grosses prods et tout ça, où c'est trop téléphoné, machin et tout, tu vois. Tu sens qu'il y a trop de scénarisation du bordel, tu vois. Avant, c'était un mec qui a commencé ses vidéos, ce gars-là, Cyril Choqué. Il les a commencés avec des petits budgets, un peu comme vous et moi. Tu chopes un budget, t'as peut-être un contrat avec une chaîne où tu l'as pas encore. Ils te disent, oh, faites votre truc, on verra, peut-être on prendra votre... On achètera les droits après pour les diffuser. Et donc le mec, il se disait, ok, je pars en voyage, j'ai mon pote qui me filme. Et en gros, il est arrivé sur place et il allait dans le port du coin. Et ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui on peut aller pêcher? Mais tu vois le côté un peu roots comme ça, à l'aventure. C'est là que tu fais les meilleures rencontres pour ceux qui l'ont vécu dans leur vie. Et bien, c'est ce que lui, il fait dans ses émissions. Et il y avait une magie. Et là, maintenant, Pêche XXL, tu vois qu'il y a du budget, qu'il y a de la thune. Et ça a perdu de sa magie. C'est dommage parce qu'il y avait que ça de vrai. Parce que Monster River, à côté, c'est de la demeure, quoi. Alors, top, les gars, continuez comme ça. Merci, mec. RIP, Cyril Choqué. Ah, RIP, on va pas dire ça, quand même. Enfin, je pense pas que... J'espère qu'il a encore deux secondes. J'espère que tu n'es pas en train de m'apprendre une nouvelle qui va me faire pleurer. Mais après, ça a l'air d'être un super gars. Ah ouais, toujours en train de perdre sa canne à la flotte, ce Cyril. Ouais, c'est un fou. Parle de rien, d'important. Pendant 30 secondes, je vais pisser. Ok. Ok, attends, mais peut-être que je vais y aller moi aussi au bout d'un moment. Toujours en train de perdre sa canne. Ok, parle de rien là-bas. Cyril, il connaît tes vidéos par contre, j'en suis sûr. Tu penses que Cyril Choqué connaît mes vidéos, Castar? C'est quoi, ça serait un honneur, tu vois? Qu'ils nous disent l'année prochaine, bon les gars, allez je reviens sur du mordu la pêche, bon scénario avec des petits gars qui cartonnent. J'ai nommé Castar Fishing, Julien Signoret, on y va, on va pêcher avec eux sur le lez, ils ont développé une technique de malade. Et ouais, franchement, ça serait bon quoi. Le chat track, pas mal comme nom de leurre. Franchement, pas mal. Le chat track, c'est pas mal. Mais j'avais déjà pensé à...
Attends, Shadow. Le chat Shadow, je crois, j'avais pensé, mais c'est à peu près la même chose et ça sonne bien. Ah, ça fait du bien. Ah, ben ouais, t'as les pisser, ça va mieux maintenant. Cyrilin, track avec vous deux. Ah ouais, Cyril choqué avec nous. Franchement, ça serait vraiment de la balle. Et ouais, pour ceux qui ne le savent pas, qui suivent pas forcément Castar sur Twitch TV, je vous invite à le suivre sur Twitch TV, parce que si vous aimez le mec sur YouTube, vous le kifferez forcément sur Twitch TV. Même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo comme moi, c'est le personnage qui est kiffant, donc n'hésitez pas. Mais en attendant, attendez un petit peu, parce que pour l'instant, il prend des vacances, je vais dire, obligatoires pendant un petit moment. Et il revient dans 25 jours avec du lourd. Il est en train de préparer un truc de ouf pour son retour, donc n'hésitez surtout pas à le suivre. Donc voilà. Allez les gars, si vous avez des questions pertinentes à poser ou des trucs comme ça, allez-y, parce que je pense que je vais bientôt mettre fin à ce grand monologue devant ce tout petit boîtier qui s'appelle téléphone portable, qui enregistre depuis tout à l'heure. Et donc, allez-y, posez vos questions, et puis sinon, je pense qu'on aura passé un bon moment ensemble, et c'est le principal. Le Cat Shadow, c'est pas mal aussi comme nom ça, le Cat Shadow. Fistus Glanus pour le leurre. Fistus Glanus, c'était quoi? On dirait un nom de centurion dans Astérix et Obélix, quoi. Fistus Glanus, centurion, Ave César. Ouais, ça pourrait passer, hein. Ah, Emily Cop a posé une question. Est-ce que tu t'es déjà fait mordre par un silure? Eh ouais, je me suis déjà fait mordre par un silure. Je me suis fait mordre la main. D'ailleurs, Emily Cop, je la connais. Très grande guitariste connue sur le point d'ouvrir une chaîne YouTube assez sympa, justement, sur ce sujet-là. Et super nana. Salut, je suis un peu tard, triste d'avoir raté le débat. Alors, mec, si t'es triste d'avoir raté le débat, je pense que la vidéo va être en ligne pendant quelques jours. Tu pourras regarder ça pas en direct. Mais voilà. Alors salut, désolé, hein, je suis allé tchuss les gars. Allez tchuss mec, à la prochaine. C'est l'heure d'aller dormir. Demain boulot, il est 9h30. Il faut aller faire dodo. Même pas 9h10. Putain. Mais c'est maintenant que les gens ont fini de manger et qu'ils vont commencer à regarder ça. C'est une idée de Castard. Il m'a dit lance ton live maintenant. Alors, je dis mais non, les gens ils sont en train de bouffer. Ça sert à rien. Qu'est-ce que je vais. Et au final, c'est maintenant que ça va arriver. Salut Dédé, je viens d'arriver un peu tard, triste. Ouais, voilà. Connais-tu Mohamed Fishing, excellent pêcheur de glane? Merci José da Silva, merci. Ouais, Mohamed Fishing, je connais, ouais. Ouais, c'est clair. Je tombe rarement sur des vidéos à lui, par contre, alors je sais pas si c'est le référencement de sa vidéo, peut-être faudrait que je m'abonne, mais le peu que j'ai vu, c'est super sympa, c'est assez naturel, et il y a une bonne énergie, quoi. Venez faire un tour à Charente, il y a des beaux spécimens. Et bien, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous parlait de la Charente. Hein. Une sortie lèze avec Castar sur le lèze, avec Cyril Choquet, mais avec Tsukio Power en featuring, hihi. Ouais. Mais sur le Lez, il y a beaucoup de monde qui parle du Lez, les gars, mais le Lez, c'est une rivière parmi tant d'autres, en fait. Hein. Je dirais même, c'est loin d'être ma préférée, c'est juste la plus proche de la maison, quoi. En vrai, moi, il y a des rivières que je préfère bien plus, et en France, il y en a partout des rivières. En fait, il ne faut pas mélanger, entre guillemets, maîtrise du pêcheur, maîtrise d'une technique, résultat et qualité du plan d'eau, tu vois. Parce que vu qu'on pêche beaucoup le lèze, tout le monde se dit, waouh, sur le lèze, 15 poissons, par exemple, sur la dernière vidéo qu'on a sortie. Franchement, le lèze, il a rien de plus que les autres plans d'eau, hein, les gars. C'était un clin d'œil à Casta, en fait. Ok, d'accord. Ok, j'ai pas vu l'autre question, du coup, ça va trop vite, c'est un truc de fou. Faut un cerveau de malade pour faire des lives sur YouTube. Hein. Franchement, c'est chaud, tendu, quoi. En plus, sur un petit truc là, comme ça, un petit téléphone portable, franchement, c'est tendu. Donc voilà, je pense que je vais clôturer en tout cas ce débat en faisant une petite annonce sur le titre principal, en faisant une synthèse de tout ce qu'on a vu. En gros, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas d'études scientifiques qui ont été faites sur la pêche du silure, sur la présence des silures dans nos eaux. On peut dire que c'est un nuisible, certes, parce qu'il est en train de vivre son ascension, le sommet, comme le cendre l'a eu dans les années 70, 80, 90. Suivant les endroits. Comme tout poisson qui est introduit dans un plan d'eau, il y a un moment où justement il va supplanter les autres espèces avant de se réguler. Mais aujourd'hui, si demain on me dit qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites sur 30 ans de recul et aujourd'hui le silure est considéré comme nuisible, eh bien je dirais ok, je vous crois. Tant que rien n'est fait, pour moi, le nuisible, c'est
Ce putain d'être humain. Vous, moi, ces consommateurs qui font aucun effort justement pour faire en sorte de limiter leur impact sur l'environnement. Alors c'est pas vous et moi forcément, c'est surtout nos politiciens, surtout toutes ces personnes qui pensent qu'à l'argent, le capitalisme et toutes ces choses-là, qui en clair baissent la planète et vu comme on dit déjà, hein, comme disaient les Incas, la Pachamama, la terre-mère, en gros, si tu baisses la terre, tu baisses ta mère, tu vois. Et donc, il y a plein de mecs, ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles. Excusez-moi, je suis vulgaire sur cette fin de vidéo. Mais hein, faut appeler un chat au bout d'un moment. Et en fait, c'est le fric qui pourrit tout ça. On est en train de pourrir notre planète, les gars. Et putain de microbes dans cette terre, c'est-à-dire les humains, putain de microbes qui va aller dire « Ah, le poisson chat, c'est invisible. » Putain, mais regarde-toi dans une glace et remets-toi en question, mec, au bout d'un moment. Ok, c'est peut-être invisible. Tu veux éliminer un nuisible ? Eh bien déjà, commence à limiter ton impact. À faire le tri sélectif. À prendre ton vélo pour aller travailler. Regarde ce qu'il y a marqué sur mon t-shirt. Pense à la planète, prends ta bicyclette. Donc je vais finir avec ces belles phrases. Je vous dis à très bientôt les gars. Ciao ciao, et au plaisir de vous revoir dans des vidéos sur le prochain live. Ciao.